Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo tuto coiffure. Alors je crois que je ne vous ai jamais fait de tuto coiffure sur ma chaîne. Donc je vous ai créé ce look, donc le look beach wavy. Donc c'est un look que je porte assez souvent. Si j'ai pas les cheveux lisses, en général je suis coiffée comme ça. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Donc je vous laisse avec le tuto et je vous dis à très vite. Donc je commence sur cheveux lisses, donc j'ai lavé mes cheveux il y a 4-5 jours à peu près. Donc là ce que je vais faire, c'est faire des sections. Donc on fait rien de précis puisque on veut juste créer de légères ondulations. Donc c'est pas du tout une coiffure sophistiquée. Donc là je prends ma pince et je vais ramener les cheveux ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec cette section là. Donc j'applique d'abord un protecteur de chaleur donc de chez Caracal. Donc c'est le Silk & Seal Liquid Sheen. Et je vais le vaporiser sur les cheveux. Voilà. Ensuite, je vais prendre une section. Donc je prends mon fer à boucler, donc c'est un fer à boucler de chez Calor, donc c'est un fer à boucler que j'ai acheté chez Carrefour. Donc je vais le prendre vers le bas et je vais prendre ma section de cheveux et je vais l'enrouler sur le fer à boucler. Alors je tiens la pointe parce que j'ai pas envie que la pointe soit bouclée, on veut vraiment quelque chose de très léger. Voilà, donc je reste juste quelques secondes et ensuite je relâche. Donc voilà ce que j'obtiens. Là ce que je vais faire, c'est que je vais boucler dans l'autre sens. Donc tout à l'heure j'ai bouclé vers l'extérieur, là je vais boucler vers l'intérieur. Donc je reprends ma mèche, je pose et je boucle et je tiens toujours ma pointe. Et là, je reprends la dernière mèche. Et là, je boucle vers l'extérieur. Voilà, j'ai fini mes ondulations, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer mes doigts dans les ondulations pour casser un petit peu les boucles. Pour que mes boucles tiennent un petit peu plus longtemps, je vais appliquer de la laque. Je vais utiliser la Finishing Spray de chez Caracal et c'est la fixation souple. Donc je secoue. Donc je vais me tenir à distance, hein. Je ne vais pas me mettre trop près pour éviter de me retrouver avec un effet cartonné. Donc je vaporise à distance. Voilà, et j'en mets un tout petit peu. Et je fais la même chose de l'autre côté. La laque sent super bon.
Ensuite, je vais utiliser mon edge timer. Donc, je vais en appliquer un petit peu au niveau des bords. Donc, ici. Ensuite, je vais prendre la brosse à poils de sanglier et je vais venir lisser les bords. Voilà, le look est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.